C'est pour moi un grand honneur de parler devant des gens jeunes et de parler de Napoléon. Allez voir, avoir leur attention, avoir les questions ensuite qu'ils ont posées, on comprend que l'histoire continue à fasciner les jeunes et que le personnage de Napoléon, notamment par toutes ses ambiguïtés, par la richesse de son épopée, continue à intéresser au-delà des films, au-delà des romans, au-delà des bandes dessinées même. Bref, nous avons là un exemple frappant d'une communication entre des gens jeunes et un vieil historien sur un thème, Napoléon, qui répond donc aux objectifs que l'on peut souhaiter dans la diffusion de la culture. Je souhaite leur adresser à ces jeunes qui sont venus nous entendre, je souhaite leur adresser un message qui est celui de l'historien. L'historien pose sur les sujets un regard objectif, un regard froid. Il n'entend pas juger, il n'entend pas condamner, il simplement souhaite exposer les faits et laisser ensuite aux lecteurs, aux politiques, aux philosophes, le soin de les interpréter. L'historien expose et c'est tout. Napoléon a eu le souci de l'éducation puisque c'est lui qui crée les lycées, qui remplace les écoles centrales avec leurs disciplines. C'est lui qui crée le baccalauréat, l'examen qui permet ensuite de passer dans les facultés qui sont elles-mêmes réorganisées. Et donc on voit que l'éducation chez Napoléon prime, avec toutefois une réserve. Assez curieusement, mais on n'en sera pas surpris, pour l'époque, les filles sont exclues des facultés. Les filles ne passent pas le baccalauréat. Là, c'est évidemment la faiblesse du régime. Si Napoléon avait été confronté à un grand oral, il est évident que ça aurait été un désastre. Ça aurait été un désastre parce que Napoléon parlait mal avec un accent corse. Et donc, en plus, il était très brouillon, il était dicter plusieurs sujets à la fois. Donc, je ne sais pas ce que ça aurait donné au grand oral. Je pense qu'il aurait eu une très mauvaise note. Les polémiques font l'histoire, car c'est à partir de ces polémiques que l'on bâtit un récit. Et un récit qui se veut objectif en prenant à partie entre chacune de ces polémiques. Donc, l'historien sans polémique ne serait pas un historien.